Salut Ben. Salut. Alors tu l'as ce S5-2, tu vas le tester? C'est un faux numéro, je pense. Merci Michel pour ce reportage sur le Chouchen. On passe sur une petite info locale puisque le jeune créateur de contenu Ben, de retour d'expérience, aurait en sa possession le dernier né de chez Panasonic, le S5 Mark II, et nous préparerait une superbe vie. Allez, vas-y Ben, on sait que t'as le Panasonic S5-2, fais-nous une vidéo dessus. Mais putain, mais lâchez-moi, merde! Allez, à vous Ben, on sait que tu l'as le Panasonic S5-2, ça vaut quoi en vrai? Mais vous allez me lâcher, putain, je vous dis que je l'ai pas ce boîtier, merde! Allez, maintenant tu vas cracher le morceau, tu l'as ce boîtier? S'il vous plaît, arrêtez, je suis un tout petit créateur de contenu, j'ai pas accès à ce genre de matériel, moi. T'as de la chance. On se reverra. Allô? Allô? Alors, monsieur Ben, de retour d'expérience, avez-vous réussi à tenir votre langue? Et oui, je l'ai. Salut, c'est Ben de retour d'expérience. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un test qui se veut relativement complet de ce Panasonic S5 Mark II. Et alors, juste avant de commencer cette petite review, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été pendant des années chez Panasonic et il y a environ 8 mois, je suis parti parce que certaines choses me gênaient, l'autofocus notamment, mais pas que. Voilà, il y a quelques détails qui vraiment me posaient souci et donc je suis passé chez Sony. Le 4 janvier 2023 a été annoncé ce Panasonic S5 Mark II. J'ai fait, comme je le fais souvent, une petite review, une petite revue de presse des différents tests, des annonces, etc. pour faire une synthèse en gros de tout ce qui arrivait sur ce nouveau boîtier qui venait d'être annoncé. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail. Alors, grosse surprise pour moi, puisque le directeur marketing d'Europe de l'Ouest de Panasonic m'a écrit, j'ai cru à une blague, et en réalité, ça n'en était pas une. Il suivait ma chaîne depuis déjà un certain temps, et il a beaucoup aimé, bizarrement, la vidéo où je quittais Panasonic, puisque visiblement, il y avait des arguments dedans qui faisaient écho à des problèmes que Panasonic tentait de résoudre. Et donc, il m'a dit, on aime bien ton boulot. Est-ce que ça te dit qu'on t'envoie ce machin? Alors évidemment, j'ai accepté, trop bien, de pouvoir avoir ce boîtier en avant-première avant sa sortie pour le tester et pas juste faire une synthèse, mais pouvoir lui tirer un peu dessus pour vous donner mon avis. Donc, on m'a envoyé ce boîtier avec 4 optiques, l'optique de kit, le 20-60, on m'a envoyé le 24mm, le 35mm et le 50mm 1.8. Et alors, comme je vous l'avais dit dans mon débrief du S5 Mark II, Panasonic a grandement changé sa stratégie de communication. Aujourd'hui, il s'intéresse à de petits créateurs comme moi, et ça me permet de vous tester ce truc-là. Et dernière chose, pour ceux qui se posent la question, oui, cette vidéo est sponsorisée par Panasonic, et tout ce que je suis en train de dire a été écrit à l'avance par Panasonic. Non, c'est pas vrai. Panasonic, lorsque je les ai eus au téléphone, m'ont dit « Tu es libre de dire ce que tu veux, c'est free, on t'envoie le boîtier, tu l'as 15 jours, tu fais ce que tu veux avec, tu dis ce que tu veux. » Beaucoup de choses ont été dites sur les autres créateurs de contenu qui sont partis au Japon, qui auraient eu un boîtier offert, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est pour eux. Me concernant, je l'ai 15 jours, j'ai eu un contrat de prêt à remplir et on m'a dit « Tu fais ce que tu veux avec le boîtier et tu dis ce que tu veux et c'est exactement ce que je compte faire. » Et on commence avec l'ergonomie physique. Alors ce boîtier, il est hyper agréable à prendre en main, il est hyper léger. Je retrouve des sensations de prise en main que j'avais un peu sur mon GH5. Je trouve même qu'il est un peu mieux. Il est pensé, je ne saurais pas trop vous dire, la forme du boîtier, c'est un petit peu moins arrondi. Et pour autant, on garde, alors c'est a priori le même form factor que le S5. Le S5, je l'ai pris en main une fois ou deux, mais à la Fnac, enfin, j'ai pas vraiment fait, voilà, je l'ai juste pris dans ma main. Là, j'ai eu le temps de l'utiliser pendant 15 jours, et vraiment, j'aime beaucoup le form factor. Le petit doigt se barre pas, c'est bien pensé, les boutons sont au bon endroit. C'était très agréable.
Un truc que j'ai bien aimé, c'est cette molette des shutters qui m'a un peu surprise parce qu'on n'était pas sur une roue crantée. Enfin, si, c'est une roue crantée, mais je sais pas si vous allez voir, elle est. Alors, c'était peut-être la même sur le S5. C'est une roue semi-verticale, semi-horizontale. Enfin, toujours était-il que ça m'a un peu surpris à l'usage, et en réalité, c'est très confortable. Et du coup, par rapport à Sony qui la met vraiment très bas, et d'autres boîtiers qui la mettent vraiment très haut, et ben là, elle tombe vraiment bien sous le doigt. Donc, c'est un truc qui m'a un peu étonné, mais c'est très agréable. Au niveau des boutons, à peu près tout est personnalisable, c'est très très confortable et c'est plutôt bien pensé. Un truc que j'ai réalisé en l'utilisant, en fait j'ai fait un shoot hier soir, dont les images je vous les montrer un petit peu après. Sur ce shoot, je me suis rendu compte que mes réglages bougeaient, et c'est tout simplement parce que les molettes ont cette tendance à être un petit peu souples. Et du coup, elles bougent, ce qui fait que quand je prends le boîtier, par exemple là, moi ici, j'avais mon ouverture qui était placée, et en regardant mes rushs, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis à 3.2 au lieu d'être à 1.8? Et tout simplement parce que en prenant mon boîtier, j'ai fait un petit mouvement comme ça, et hop, j'ai changé l'ouverture. Et en fait, je trouve que ça manque d'une petite résistance. Alors après, c'est un boîtier de pré-production qu'on m'a prêté, c'est pas un boîtier définitif, qui probablement est déjà passé dans les mains de quelqu'un d'autre, voire même de plusieurs autres personnes, donc c'est possible que cette molette soit légère, parce qu'elle a déjà été beaucoup utilisée, j'en sais rien du tout. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça. C'est que les boutons, certains boutons, ça manque un petit poil de résistance. C'est pas un gros problème, mais ça peut s'avérer pénible sur certains tournages. Au niveau de l'écran sur rotule de ce S5 Mark II, c'est pas mal. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas mal. On est à un peu moins du double en termes de définition que le A7 IV, le A7 IV il doit être à 1 million de points, et là on est à 1 800 000, donc on est un peu moins du double, mais vraiment, alors on sent une différence, c'est pas non plus exceptionnel, mais on peut travailler. C'est-à-dire que par exemple, moi j'utilise pas mal la waveform pour travailler, et là la waveform elle est bien dessinée, elle est bien définie, et elle est bien visible, et quand je fais du picking, j'ai pas de problème pour voir ce que je fais, donc au niveau de l'écran, c'est pas mal. Petit truc qui m'a un tout petit peu déçu, c'est cette charnière. Sur le GH5, la charnière, elle était indestructible. Plein de fois, j'en ai fait l'éloge sur le G9, le GH5S, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a la même charnière que le A7 IV. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur l'A7 IV, j'ai pas mal critiqué cette charnière que je trouve légère. Et là, c'est pareil. Je la trouve un petit peu légère et j'ai tendance à penser que pour un usage intensif, ça pourrait rapidement s'abîmer. Donc voilà, là, 10% de plastique en plus, ça aurait pas été de trop. Au niveau de l'EVF qui est ici, qui a beaucoup fait parler, puisqu'il intègre un système de refroidissement, alors que je n'ai jamais entendu. Alors après, il fait très froid, j'ai tourné beaucoup en extérieur, donc il n'a jamais eu besoin de tourner. Je l'ai fait tourner pas mal, j'ai jamais eu de surchauffe. Et si le ventilateur s'est déclenché, je ne l'ai jamais entendu. Cet EVF, il est super. Moi, j'en suis hyper fan. La qualité d'image, on a un petit écran OLED, c'est top. C'est top. Moi, je filme beaucoup à l'œilleton parce que je trouve que je suis plus stable et ça me permet d'avoir un contrôle total de ce que je fais. Donc, l'œilleton, il est super et comme vous pouvez le voir ici, il est excentré. Et ça, vraiment, moi, j'en ai marre quand je suis sur un boîtier que je suis obligé d'écraser ma tronche comme ça pour pouvoir utiliser le VF. Et là, comme il est un petit peu plus ressorti, et bah du coup, mon nez ne touche même pas l'écran et c'est hyper confortable quand on shoot longtemps. Et vraiment, je suis amoureux de cet œilleton. Je veux le même partout. Ça, c'est trop bien. Un truc génial, c'est ces fixations de sangle. Alors cette sangle, elle m'a emmerdé. Je l'ai pas enlevée parce que j'avais la flemme, mais elle m'a emmerdé parce que je trouve que ça sert pas à grand chose, les sangles comme ça. Mais le système de fixation de sangle, où il n'y a pas les petits trucs qui se baladent et qui font bling bling, il faut que toutes les marques fassent ça. Il faut vraiment que toutes les marques fassent ça. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Au niveau logiciel, c'est top. Ça faisait partie des choses que j'adorais chez Panasonic. C'est des menus hyper clairs. Alors, je peux pas dire que c'est une usine à gaz, mais il y a beaucoup de réglages. Mais contrairement à Sony, c'est super clair. C'est-à-dire qu'on sait, on y retrouve ses petits, chaque chose est dans une bonne catégorie. C'est compliqué de s'y perdre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on attaque et qu'on démarre le boîtier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, beaucoup de choses. Mais c'est bien rangé. Il y a plein de logos, il y a des codes couleurs. Il y a vraiment, c'est hyper, hyper agréable à utiliser. Un défaut que je trouve, c'est le temps de démarrage du boîtier quand on l'allume. Il lui faut 2-3 secondes pour pouvoir être utilisé. C'est peu 2-3 secondes, on va se dire que c'est peu. Mais franchement, quand on utilise beaucoup le boîtier, parce que moi par exemple j'avais une seule batterie, pour toute la durée de mon test, j'avais une seule batterie. Donc pour économiser de la batterie sur des shoots, eh ben, on éteint le boîtier, puis on le rallume,
on shoot, on éteint le boîtier, on le rallume, et en fait à chaque fois il faut attendre 3 secondes, et ça, alors peut-être parce que c'est un modèle de pré-production et que sur les prochains firmware ce sera réglé, mais là j'ai trouvé ça un petit peu long à chaque fois au niveau du démarrage, donc ça c'est une marge d'amélioration. Un truc que j'ai trouvé un peu relou mais qui est désactivable et du coup je vous conseille de l'enlever si vous achetez ce boîtier, c'est le système d'adaptabilité de la luminosité. C'est le même principe que sur un téléphone, dès qu'il y a beaucoup de lumière, l'écran va augmenter sa luminosité et dès que vous êtes dans un lieu sombre, il va diminuer la luminosité. Ici c'est pareil, sauf que là où les smartphones font ça très bien, ici c'est moins bon. Ça se fait par cran, par palier, et il m'a fallu 2 jours pour comprendre que c'était ça. Au départ je me suis dit peut-être que j'ai un bug de mon écran, après je me suis dit peut-être que j'ai des problèmes de réglage de mon exposition parce qu'elle faisait que de bouger, je me suis dit j'ai mal réglé un truc, et en fait non, en fait c'est ce système d'adaptabilité que je trouve pas très bon parce qu'il change par cran, et en fait une fois que vous l'avez viré, c'est beaucoup plus confortable. Là on arrive à un point de la vidéo où je devais vous dire, ah, dis donc, il fait que de critiquer, ça lui a pas plu, alors en fait si, j'ai adoré, l'ergonomie, je l'ai adoré, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, même quand je l'utilisais pas, j'adorais l'avoir en main. C'est-à-dire que le soir, devant la télé, quand je n'étais pas en train de bidouiller sur les écrans, sur les boutons, sur les réglages, j'aimais bien le prendre, juste pour l'avoir en main. J'ai même fait des photos de la télé, juste pour le plaisir, parce que l'ergonomie logicielle et physique est hyper bien pensée. Il y a plein de petits détails à revoir, mais comme tous les boîtiers. Mais globalement, j'ai adoré prendre ce boîtier, et je trouve, personnellement, pour mon utilisation, que c'est la meilleure ergonomie, en tout cas c'est celle qui me correspond le plus. De tous les boîtiers que j'ai eus, c'est de loin la meilleure ergonomie de boîtier que j'ai eu entre les mains. Au niveau de la photo, je vais pas pouvoir vous en parler énormément. Lightroom ne lit pour le moment pas les RAW de ce S5 Mark II. Je peux vous en dire 2 trucs. Je peux vous en dire que la rafale à 30 images par seconde, ça déchire. Je peux vous en dire que la rafale à 30 images par seconde, l'autofocus, il suit vraiment très bien. J'ai été hyper surpris. Et je peux vous dire que les JPEG ont tendance à beaucoup saturer les couleurs en standard et que ça me plaît pas du tout. On attaque la stabilisation. Au niveau de la stabilisation, c'est sûrement un des trucs qui m'a le plus bluffé sur ce boîtier. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai eu un GH4, j'ai eu un GH5, un GH5S, un G9. Les GH5 et le G9 étaient stabilisés. À la fois, la stabilisation était extrêmement puissante, mais elle avait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'à la fois, elle vous faisait des plans hyper smooth, mais elle avait des effets de wobbling, c'est-à-dire que le capteur avait tendance à beaucoup bouger pour compenser, et du coup, il faisait des déformations de l'arrière-plan qui rendaient beaucoup, beaucoup de plans inutilisables. Et ça m'a bousillé beaucoup de plans dans des prestations, et ça faisait partie des choses que j'aimais, mais qui nécessitaient un vrai travail de la part de Panasonic. Et là, franchement, il y a un bel effort. Je vous mets des petites scènes test tout de suite et on en discute juste après. Donc petit test de stabilisation. Donc là on est en 4K, je suis sur le 24 mm et de ce que je vois moi sur mon écran, ça n'a pas l'air mal. Les premiers tests que j'ai fait à 24 mm, là où sur un Panasonic GH5 on n'était pas terrible. Là visiblement ils ont quand même plutôt bien bossé Panasonic, la stabilisation. Moi je vous invite à regarder sur le côté, sur les angles au niveau du wobbling, ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a un vrai mieux quand même. Moi j'ai observé quelques petits effets de wobbling très légers par moment, mais ça reste extrêmement marginal et très rare, là où avant c'était extrêmement fréquent. Donc à 24 mm, on peut dire que le problème a l'air réglé, en tout cas en vlog. Alors cette fois-ci je suis sur l'optique de kit, le 20-60 à 20 mm, donc on est un petit peu plus large que le 24. Et donc je marche à une allure normale. Des tests que moi j'ai pu faire, c'est qu'au 20 mm il y a un peu de wobbling. C'est-à-dire quand il y a des mouvements un peu brusques comme ça, sur les côtés il a tendance un tout petit peu à bouger. Ça reste correct, mais ça aurait tendance à vous niquer des plans. Donc à 20 mm c'est un petit peu juste. Des dernières mises à jour que j'ai pu voir chez les autres testeurs, visiblement les Panasonic recommandent de ne pas aller en dessous de 18 mm. Bon, moi je trouve que déjà à 20, on est un petit peu juste. Moi je vous recommande 24. Pour moi 24 c'est l'angle le plus grand que vous pouvez utiliser et exploiter sans trop de soucis de wobbling au niveau de la stabilisation. Donc voilà, mais maintenant on va faire un autre test. Parce qu'en réalité, faire des tests de vlog, c'est une chose, mais quand on travaille et dans la vie courante, dans le vrai monde et dans une vraie utilisation, les problèmes de wobbling, ils apparaissent dans des plans où on ne se filme pas soi, dans des plans où on filme les autres. Et généralement, c'est dans des plans où on fait des panoramas et un petit peu brusques. Donc là, je vais faire des panoramas. Donc là, je suis sur un panorama assez doux. Je vous invite à voir les angles de la vidéo.
Donc là, quand je suis assez doux, il n'y a pas trop de soucis. Dès que je vais me mettre à bouger, à faire des panoramas un petit peu plus rapides, c'est là qu'on va... Et là, je vais me mettre à avancer. Là, comme si je faisais un suivi de quelqu'un. Hop. Et je vais me mettre à faire. Et là, c'est là qu'il va falloir observer s'il y a du wobbling. Alors là, quand je le fais sur un tout petit écran, c'est un petit peu compliqué à définir. Mais peut-être que vous allez vous en rendre compte. Je sais que ce que j'avais déterminé, moi, sur mes anciens Panasonic, c'est dès qu'on faisait le suivi de quelqu'un et qu'il y avait du monde qui arrivait un petit peu en face, et ben, il se mettait à faire des mouvements pas très adaptés. Donc vous voyez, là, je suis à 20 mm. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu, mais je me rends pas bien compte. Alors, je fais des mouvements volontairement un petit peu brusques. Hein, je marche un petit peu vite. Et je suis à peu près sûr que si je passe, allez, on va dire à 28 mm, et ben les mouvements que j'avais tout à l'heure, je vais quasiment plus les avoir. Hop, on va essayer de refaire un peu un parcours similaire. Hop, hop. Alors moi, sur mon petit écran, de ce que j'ai l'impression d'en voir, là à 28 mm, j'ai aucun souci de wobbling. On va passer à 24, hop. Alors, vous pouvez voir que l'autofocus en même temps répond plutôt bien sur des formes assez simples. Hop, à 24, pas grand chose. Hein, c'est pas énorme. C'est vraiment quand on est à 20. Hein, je trouve que les 4 mm d'écart, ils font la différence. Donc voilà, j'espère que ce petit test aura été concluant, parce que je vous fais ça, mais en réalité, comme j'ai pas vu sur un grand écran, ça se trouve, il n'y a pas eu de wobbling du tout. Au global, je trouve que Panasonic a fait un vrai effort et que l'amélioration est réellement notable. Au final, moi qui ai eu des Panasonic GH5 et G9 qui, pour le coup, stabilisaient bien mais avaient un vrai problème de wobbling qui m'ont niqué plein de plans que j'ai pas pu utiliser, là, j'ai un vrai sentiment d'amélioration quand même. Donc, même si sur certains points Panasonic a moins amélioré les choses, sur la stabilisation, il y a un vrai step-up. Je peux pas dire le contraire. Même si c'est pas parfait, c'est vraiment meilleur. Donc voilà, que ce soit en vlog, en utilisation classique et même en photo, la stabilisation, elle fonctionne super bien. Panasonic recommande donc ces 18 mm de pas aller en dessous. Moi, je vous conseille pour l'instant de pas descendre en dessous de 24 mm. À 24, il y a encore des petits effets ponctuels de wobbling, mais pour moi, ça se voit très peu et ça reste assez rare. Dès que vous êtes à 20 ou en dessous, là, vous n'avez pas de garantie. Parfois, ça marche très bien, parfois, ça marche moins bien. Mais aujourd'hui, on a une stabilisation qui est efficace et qui ne va pas vous bousiller des plans. Donc, super point, cette stabilisation. J'adore. Et maintenant, on parle colorimétrie. Que ce soit en Vlog ou en Cinelike D version 2, la colorimétrie, elle est juste dingue. Tous les créateurs de contenu en ont parlé. Moi, je vous en parlais déjà à l'époque de Pana. Depuis que je suis chez Sony, je me plains énormément de la colorimétrie du capteur. Et là, c'est du bonheur, c'est du plaisir. J'utilisais très peu le Vlog de mes GH5, GH5S, etc. parce que c'était une tannée à utiliser, mais c'était un Vlog light. Aujourd'hui, on a le vrai Vlog de la Varicam. Et quel bonheur! Vous filmez, vous mettez votre waveform, vous étalonnez votre plan avec une petite lutte de correction avec 709, mais ça se fait tout seul. Les teintes de peau, elles sont nickel du premier coup, même dans des situations de basse lumière hyper compliquées. Vos couleurs, elles sont justes. Franchement, c'est du bonheur. Je redécouvre la colorimétrie et ça me donne envie d'aller plus loin en étalonnage, tellement ce boîtier fait des miracles. Et alors, en termes de dynamique, mais c'est fantastique. La dynamique de ce capteur, topissime. Niveau montée en ISO, je me suis dit que ce serait intéressant de le comparer avec le Sony A7 IV. Donc, je vous mets un petit comparatif que j'ai fait entre ces deux boîtiers qui étaient posés côte à côte. Donc, c'est les mêmes scènes, avec les mêmes montées en ISO au fur et à mesure. Petit disclaimer, j'ai attaqué les montées en ISO à partir de 3200 ISO, puisqu'en dessous, c'est globalement très bon des deux côtés, ça se vaut sans problème. Donc là, ça me paraissait intéressant de commencer à 3002 et de monter jusqu'à 12008 ou 16000, je sais plus jusqu'où je suis monté. On en parle juste après.
Alors globalement, les montées en ISO sont à peu près équivalentes. Je vais pas dire similaires, ce serait un peu exagéré, elles sont à peu près équivalentes. On voit bien le gap sur le S5 Mark II entre 3002 et 4000, parce qu'il y a un double ISO natif à 4000. Donc là, on voit bien tout de suite que tac, le bruit numérique il disparaît à 4000. Jusqu'à 8-10000, ça marche très bien. Jusqu'à 12008, il y a du bruit. Mais pour moi, c'est largement acceptable, sans problème, au même titre que la 7.4. Pourquoi c'est pas les mêmes montées en ISO? Parce que la 7.4 utilise l'oversampling à partir d'un enregistrement 7K, donc le bruit numérique de la 7.4 est autant présent que celui-ci, mais comme il est plus fin, il est moins marqué. Il est un petit peu plus grossier sur le S5 Mark II, mais globalement, franchement, jusqu'à 12008, vous l'utilisez sans problème. Je vais vous mettre juste après un petit shoot que j'ai fait volontairement de nuit, où je suis monté très haut dans les ISO, et vous allez voir que ça déchire. Et pour terminer avec les ISO, sachez qu'en 4K25 et 4K50, il n'y a aucun problème. Dès que vous êtes en Full HD 100 pour faire du slow motion, il vous faut forcément beaucoup plus de lumière, et là, ça bruite à mort. Donc, si vous voulez faire du slow motion en Full HD avec ça, il vous faut une grosse source de lumière. Si vous filmez en basse luminosité, vous aurez vraiment un bruit qui est vraiment pas propre et qui est difficile à récupérer. Et maintenant, le sujet principal de ce S5 Mark II, c'est l'autofocus. Et avant de vous faire un débrief de ce que j'ai pensé de cet autofocus, je vais vous mettre un petit shooting que j'ai fait hier avec Malo, qui fait du trial urbain avec son vélo. Ça a permis de tester à la fois l'autofocus, la montée en ISO et la stabilisation. Tous les plans que vous allez voir ont été faits à main nue. Autofocus continu, la montée en ISO, on est toujours entre 4 et 12800 ISO. Ça va vous permettre de vous faire une idée. Il n'y a pas de, aucune correction n'a été faite, aucune stabilisation en post-prod, aucune correction colorimétrique. C'était fait en V-Log. J'ai juste appliqué une lutte correction Rec 709. Rien d'autre, pas d'étalonnage. Ça va vous permettre de vous faire une idée un petit peu de ce que ça peut donner dans des conditions qui sont pourries. Du coup, cet autofocus, c'est le jour et la nuit par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Sur la vidéo que vous venez de regarder, donc on était en basse luminosité, donc c'était beaucoup plus compliqué pour lui de gérer. 4K25, 4K50, très peu de déchets, assez peu de problèmes. En suivi, il a bien géré. Il a pas réussi à choper les yeux et le visage. Il y avait le casque, ça l'a pas aidé, mais il a eu beaucoup de mal à le repérer. Mais globalement, il a bien repéré Malo sur son vélo. Et il l'a bien suivi, donc en autofocus continu, pas trop de problèmes. En Full HD 100, toujours donc en basse luminosité, j'ai eu 70% de déchets. Et vraiment, il en a chié. En Full HD, il en a chié. En 4K, même à 12008, il a réussi à gérer. Et alors la question qui doit peut-être vous brûler la langue, c'est est-ce que cet autofocus est à la hauteur de la concurrence? Et la réponse est non, pas encore. En fait, cet autofocus, il a deux défauts. D'abord, dès que vous voulez filmer des visages et que la lumière baisse, à partir du 8000 ISO, il commence à galérer. Là, dans la vidéo trial, il n'y a pas eu de souci parce qu'il ne cherchait pas à choper le visage. Il a chopé Malo sur son vélo, qui est quand même assez grand, donc finalement, il ne l'a pas raté. Si vous cherchez à filmer quelqu'un et particulièrement à choper les yeux au-delà du 8000 ISO, il va commencer à partir un peu en cacahuète, il a beaucoup plus de mal à le choper. Et l'autre défaut, qui je trouve ne ressort pas suffisamment dans les tests que j'ai pu voir de mes confrères créateurs de contenu, effectivement, quand on fait du vlog en face cam, il vous lâchera jamais. Il est d'une efficacité redoutable, peu importe les mouvements que vous faites, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que cet autofocus, cet algorithme, il a besoin que votre visage, que votre œil, il soit en face de lui pour bien marcher. Si vous êtes de côté, ou si les personnes que vous filmez sont un peu de côté, il est paumé. Je vous mets un exemple de ce que j'ai constaté à de multiples reprises. J'ai voulu filmer ma fille dans son parc, donc je me suis placé à 35 mm entre deux barreaux,
et elle était de trois quarts. Donc on voyait pas son visage complet, mais on le voyait de trois quarts. Et à aucun moment il a réussi à la choper. Il était bloqué sur les barreaux, et en fait, comme il a pas vu qu'il y avait ses deux yeux bien en face de lui, et ben il a pas réussi à la trouver, et du coup elle est restée floue. Au départ, je me suis dit que c'était une erreur ponctuelle, sauf que ça s'est reproduit beaucoup de fois, avec différentes optiques. Et en fait, je pense que la détection de visage fonctionne bien quand on est en face, mais si jamais votre sujet il n'est pas parfaitement aligné avec votre algorithme, votre capteur et votre optique, eh ben il le voit pas. Je précise qu'au niveau de l'autofocus, j'étais en zone complète, hein, j'étais pas avec juste un point central, j'étais en zone complète pour vérifier qu'au niveau de la détection, il s'en sortait tout seul. Alors au final, j'ai vu beaucoup de tests où on disait que cet autofocus était presque comparable au Sony A7 IV. Le presque est de rigueur, l'autofocus est vraiment bon, mais on sent qu'au niveau de l'intelligence artificielle, du deep learning, il y a encore un peu de boulot. Je pense que les prochaines mises à jour amélioreront grandement la détection. C'est ce qui se fait déjà dans les autres marques, même si Sony est un petit peu plus timide en termes de mise à jour, mais Panasonic ne l'est pas. Panasonic a toujours fait énormément de mises à jour sur ses boîtiers. J'en ai toujours beaucoup profité, donc je suis convaincu que mise à jour après mise à jour, l'autofocus va progresser. Maintenant, il faut quand même se rappeler d'où on part en termes d'autofocus. Panasonic, depuis des années et des années, est sur une autre technologie autofocus qui, clairement, ne fonctionne pas bien. Et en un boîtier, ils ont quasiment rattrapé leur retard. C'est quand même énorme. Ils n'ont pas juste sorti un boîtier avec une détection de phase qui marche peu. Elle marche très bien. Elle marche vraiment très bien. Mais c'est pas la meilleure. Sony reste meilleure. Canon reste meilleure. Au niveau de mon Fuji, par exemple, par rapport au X-T3, il est meilleur, le X-T3 il commence à dater. Je pense que par rapport à un XH2S, par rapport à un Nikon Z9, on est un peu en dessous, ou alors ça se vaut. On n'est pas dans ce qui se fait de mieux, mais franchement, ça marche très bien. Et là où avant, c'était le gros défaut de ces boîtiers, selon moi, le défaut, il est résolu. Sans être le meilleur, c'est résolu. L'autofocus, c'est plus un problème. Et alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Panasonic S5 Mark II? Est-ce que Panasonic a fait les bons choix? Est-ce que c'est un bon retour dans le game? Oui. Et alors après tout ça, il y a deux questions que vous avez été nombreux à me poser et que je me suis moi-même posé. Est-ce que je vais acheter ce Panasonic S5 Mark II? Et est-ce que je vais revendre mes Sony et être full Panasonic? Oui et non. Oui, je vais m'acheter ce Panasonic S5 Mark II, peut-être pas tout de suite, parce qu'il va falloir que je me refasse un peu de trésorerie, mais vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce boîtier. Je parlerai pas pour les autres créateurs, beaucoup ont eu l'air d'avoir un coup de cœur pour ce boîtier, moi en tout cas c'est le cas. Il y a un côté Madeleine de Proust, j'ai l'impression de retrouver les sensations que j'avais avec mon G9, avec mon GH5, mon GH5S, tout en ayant à peu près tous les correctifs que je voulais. Donc Pana marque un grand coup parce que vraiment l'autofocus il fait le boulot, la montée en ISO elle est mortelle, la stabilisation elle m'a bluffé, comme vous l'avez vu dans la vidéo il y a encore plein de petits trucs à améliorer mais aucun boîtier n'est parfait et il y a toujours une marge d'amélioration. Panasonic est plutôt généreux en mise à jour donc j'attends beaucoup d'eux, mais oui, à un moment donné, je vais m'acheter ce boîtier. Des optiques que j'ai pu tester, le 24, le 35 et le 51.8, c'est plutôt des bonnes optiques. Je ne les ai pas suffisamment testées en photo pour vous dire ce que ça vaut en photo, mais en vidéo, au global, c'est plutôt intéressant. Et il y a tout le parc Sigma, vous connaissez mon amour pour Sigma. La deuxième question du coup, c'était est-ce que je vais revendre Sony? Non, je ne vais pas revendre mon parc Sony, en tout cas, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que dans les prestations que je fais, j'ai besoin de cet autofocus sur l'œil, j'ai besoin d'avoir quelque chose de un peu plus performant et un peu plus poussé. Et du coup, maintenant que j'ai goûté à Sony, c'est compliqué de repartir full Pana, en tout cas dans la version actuelle de ce firmware et de ce boîtier. Donc je pense que je vais faire cohabiter les deux systèmes. Je vais rester chez Sony pour un usage pro pur et dur. Pour un usage un peu plus plaisir, un peu plus fiction, parce que de plus en plus, je mets un peu de fiction. Je vais passer là-dessus parce que c'est un monde de colorimétrie, c'est un monde de plaisir à utiliser. Et on verra, peut-être que progressivement, je vais repasser full Pana. Ça prendra du temps, peut-être, mais aujourd'hui, Sony me satisfait et Pana me satisfait. Et en fait, chacun me satisfait sur un versant différent. Et s'il devait y avoir un boîtier parfait, je dirais que ce serait un peu l'alliance des deux.
Le jour où Panam sort un autofocus de la qualité de Sony et une montée en ISO de la qualité de Sony, je dis au revoir à Sony, on n'est pas encore là. Et le jour où Sony me fera une colorimétrie et une stabilisation comme celle de Pana, je dis au revoir à Pana. Voilà, aujourd'hui, le meilleur des deux mondes se situe entre les deux. Et comme j'ai pas tout à fait envie de choisir, je vais investir dans ce petit machin qui me satisfait pleinement. Et dans tout ça, on n'a pas parlé de l'autonomie de ce boîtier qui était un point fort de Panasonic avant. Beaucoup disent que c'est correct, mais que parfois c'est un petit peu juste. Moi, j'ai pas rencontré de problème. J'ai eu une seule batterie, mais à chaque fois que je suis parti shooter, à aucun moment je me suis dit « Putain, merde, au bout de trois quarts d'heure, elle est vide. » J'ai pu faire des shoots longs, je vous dis, j'ai fait un shoot par moins de 2 degrés qui a duré presque une heure et demie, et il me restait encore la moitié de ma batterie. Et pourtant, il faisait froid, donc la batterie, elle a pris cher. Donc, l'autonomie, je la trouve plutôt correcte, ça fait partie des éléments dont je tiens compte lorsque je choisis un boîtier. Voilà, pour moi, cette vidéo s'arrête là. J'ai essayé de vous faire une vidéo la plus honnête possible. Je ne prétends pas qu'elle soit neutre et objective. J'ai un amour pour Panasonic qui date, qui m'a pas empêché de partir et de les critiquer, mais j'ai toujours aimé Pana. Je suis très content qu'ils reviennent dans le game. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, comme je l'ai eu que pendant 15 jours. J'ai mangé avec, j'ai dormi avec, je l'ai emmené partout avec moi, je l'ai poussé, je l'ai personnalisé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'en ai tiré le maximum de ce que je pouvais dans le temps imparti. J'espère que ça vous aura aidé à faire un choix. Le meilleur conseil, c'est toujours de le prendre en main par vous-même, mais si vous achetez ce boîtier, vous ne ferez pas d'erreur. Vous ne ferez pas d'erreur. Il y a peut-être des choses qui vous satisferont moins que d'autres, mais vous ne ferez pas d'erreur. Et honnêtement, aujourd'hui, si ce Panasonic était sorti il y a 8 mois au moment où j'ai fait ma transition de marque, je serais resté chez Pana. Je ne serais pas passé chez Sony. Maintenant que je suis passé chez Sony, que j'ai investi beaucoup d'argent et que j'ai goûté aux technologies autofocus ultra performantes et à la montée en ISO exceptionnelle, c'est vrai que repartir sur des technologies un peu moins bien, c'est un petit peu plus dur. Mais vraiment, ce boîtier, s'il était sorti un peu plus tôt, je ne serais pas parti. Mais peu importe, puisqu'au final, je reviens. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire, le petit pouce bleu. Vous savez comment ça fonctionne. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut.